Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Stop ! Je sais déjà ce que vous allez dire, mais aujourd'hui je vous assure que c'est une vidéo très spéciale puisque j'ai ça. Et ça, ça change tout. C'est un clavier totalement flexibilisé qui nous vient de chez Wish. Pas mal, hein? Je l'ai eu gratuitement. Enfin, du moins, c'est ce qui était marqué sur le site. Parce que si vous voulez, sur Wish, c'est des malins. Ils disent que le produit est gratuit, mais ils te font payer la livraison. Donc, pas si gratuit que ça. Alors, certes, j'ai payé que la livraison soit 2 balles, mais je doute fort que ce clavier vaille plus de 2 balles. Et du coup, dans la livraison, bien entendu, ils te glissent gentiment le prix du produit. Eh ouais. Malin le lynx, hein. Je vous propose aujourd'hui, les gens, de tester ce clavier complètement flexibilisé sur Minecraft en faisant une petite game. Bon, je vous propose tout de suite l'unboxing de ce clavier flexible. Alors, franchement, c'est tout con, c'est tout simple. Il y a absolument rien du tout à part le clavier, un bout de pochette. Et pour rien vous cacher, il était beaucoup plus grand sur la photo. Voilà à quoi ça ressemble. Petit embout USB qu'on va brancher juste ici. À mon avis, ça va être quelque chose. Franchement, est-ce qu'il le reconnaît au moins? Bah il a l'air de le reconnaître, c'est déjà plutôt un bon point. Comment qu'il est tout petit le clavier? Attendez, ça marche si j'avance? Oh putain, oui, ça marche. C'est que ça marche, mon vieux. Et puis ça va, c'est plutôt... Ouais, j'allais dire c'est plutôt sensible. Oui et non. Ça va, c'est correct. Ouais, bah par contre, ça va être chaud pour les touches, mon vieux. Waouh, ça va être super tendu, moi je vous le dis. Donc c'est vraiment en matière, c'est du caoutchouc, quoi, caoutchouc flexible. Ça prend très vite la poussière, comme vous pouvez le constater. Et les boutons, on va dire que c'est des espèces de boutons poussoirs. C'est pas spécialement très sensible, mais ça va, c'est correct. Donc ce que je vous propose, c'est de lancer tout de suite une game avec ce clavier complètement what the fuck. Et je pense que ça va être quelque chose à mon avis. Je vous propose de tester ça sur un petit mode TNT. Je pense que ça peut le faire. On connaît tous mon skin ultra légendaire. Bah alors avec un clavier de chez Wish, mon vieux, je te dis pas ce que ça va donner. Ça va être un truc de ouf. TNT run, vas-y, on va se lancer là-dedans. Oh putain, ça y est, ça va commencer. Franchement, ça va être super tendu avec le clavier. Je vous jure que c'est un truc de ouf. C'est tellement galère, quoi. Est-ce qu'on peut... Non, il y a des boutons là. Non, il y a pas de boutons. What? Putain. Attendez, je suis déjà par terre. Attendez, attendez, attendez. J'arrive pas à avancer. J'arrive pas. Putain, mais c'est... C'est dingue, mon vieux. Mais c'est tellement... C'est tellement de la merde. Non, mais attendez, je vais recommencer. Je vais recommencer. Mais c'est quoi ce clavier à la con, là? J'appuie sur échappe, ça marche? Bah oui, ça marche. Regardez-moi ça, comment qu'il est tout flasque. C'est un truc de fou, mon vieux. On dirait une carpette. Mais ouais, mais c'est super chaud parce que les touches, vraiment, elles sont toutes petites. Et je vous dis, c'est vraiment un clavier. C'est emmené dans votre kit de survivaliste. Hein. C'est un clavier de secours. Hein. Tu vas pas faire des miracles avec ça. Hein. Faut pas avoir peur de le casser, putain. Bah tu me diras, c'est solide, ça va. Allez, vas-y, vas-y, cours, 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 cours. Il a pas couru. Putain, je suis déjà au dernier étage. C'est un truc de... Ouf, mon vieux. Bon, disons que pour 2 balles sur Wish, on va pas s'en plaindre. Je veux dire, ça fait entièrement le taf. Dégage. Oh là là, comment que... Oh, comment que je l'ai niqué, là, mon vieux, sur ce coup-là. Hop, 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 hop. Yes. Oui, donc c'est clair que pour 2 balles sur Wish, ça fait largement le taf. Wouh. Je veux dire, l'avantage, c'est que tu peux l'emmener partout. Tu le mets facilement dans ta poche, ça passe pas. Dommage. L'avantage, c'est que tu le mets facilement dans ta poche. Le désavantage, mon vieux, c'est que faut avoir les doigts... Attention, hein. Faut être assez expérimenté, si je puis dire ainsi. Alors, bien entendu... Ouh, ça passe. Alors, bien entendu, je ne vous le conseille pas. À moins que vous soyez perdu en plein milieu des bois et qu'il vous reste que ce seul clavier comme dernier recours. Ouh, ça passe. Oh, lui à côté, regardez. Regardez, lui à côté. Et oui, et il saute avec son clavier de chez Wish. Il y va, non. Ouh. Ça passe, ça passe, ça passe. Cours, cours, cours. Putain, il a pas couru. Par contre, là, il a pas couru. Là, désolé, mais il a pas couru. Vraiment désolé. Il a pas couru. C'est une performance. C'est une grande première mondiale. Il va peut-être faire top 1 avec son clavier de chez Wish à la main. On y croit tous. Oh, putain, j'ai pas appuyé sur espace. Bah ouais, forcément. Le clavier, il est tellement petit, mon vieux. J'ai appuyé à côté, quoi. Laisse tomber. J'étais en train d'appuyer sur mon meuble, en fait. J'ai appuyé nulle part. Dégage, vas-y, cours, cours, cours. Oh, mais non, mais sérieux. Mais laisse tomber. Mais j'ai les doigts trop gros. C'est pas possible. Attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense que je m'y suis fait. Regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez. Oh, regardez. Il veut m'avoir. Il a voulu m'avoir et il m'a eu. C'est ça le pire. Allez, vas-y, toi. Vas-y. Tu vas y passer, mon vieux. Oh, ça passe, ça passe, ça passe. Je saute. Avance, putain. Ah, ce qu'il y a, c'est que j'appuie tout le temps sur la touche d'à côté. C'est ça, j'appuie sur E, vous voyez. Là, je suis bien, c'est bon, je suis bien, on est bien, on est bien. Et c'est le grand saut. Wouh, ça passe. Enfoiré, oh, bien joué. GG, 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 GG. Vraiment GG. Honnêtement, les gens, je suis sûr que j'aurais fait mieux avec mon vrai clavier. Pas avec ce bout de plastique à 2 balles, là. Non, non.
Tu peux rien faire avec ça. Rien. Éventuellement, tu peux t'en servir pour tapisser les murs comme ça. Pour fouetter ton chat quand il fait une connerie. Hein? Tu le connais, hein, le clavier de chez Wish à 2€, hein? Il claque, hein? Ouais. Viens dire bonjour aux abonnés. Regarde, tu veux essayer le clavier de chez Wish? Regarde le clavier de chez Wish, putain, ça prend la poussière, ça prend les poils, mon vieux, mais ça prend tout, sérieux. Ça. Pas de bêtises, hein, je te préviens, hein. Sinon, le clavier de chez Wish, il va claquer sur les fesses, hein. Allez, vas-y. Allez, va sur ton DXRacer, vas-y. Putain, c'est reparti, je suis déjà au deuxième étage, mon vieux, j'ai rien compris, j'ai pas eu le temps d'avancer, sérieux. C'est un truc de fou. Bon, cette fois-ci, top et top, voilà, voilà, c'est perdu. Allez, au revoir. Allez, vas-y, j'attends là. Merde, ah bah non, ça marche pas. Dommage. Il tape un sprint avec son clavier de chez Wish à 2 balles. Je me sens chaud. Là, franchement, je vous dis, je me sens chaud. Je me sens tellement chaud, ça sent le top 1. Ça sent le top 1 à plein nez. Regardez, regardez comment qu'on va les avoir, eux. Hop là, je suis sûr qu'ils ont dû tomber. La vérité, ils ont dû tomber, regardez. Regardez, 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 regardez. Regardez, tu veux faire le show, mon vieux, j'ai un clavier de chez Wish. Alors, vas-y, avance, avance. Sprint, sprint. Wouh, wouh. Wow, dommage. Oh, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, dernier étage. Dernier étage, regardez-lui. Je le sens très fébrile, lui. Regardez, je le sens très fébrile, lui. À mon avis, il a dû tomber derrière moi. Je sais pas ce qui se passe derrière moi, mais il a dû tomber. Petite cascade, oui. Et c'est une cascade avec un clavier de chez Wish à 2€. Ça passe. Je défie quiconque de faire ça avec un clavier de chez Wish à 2 balles. Quiconque, quiconque, là. Je suis... Oh, putain. Dommage. Au début, c'est toujours la cohue. Putain, je suis déjà tombé. C'est un truc de fou. On fait le tour. La vérité, les gens, s'il y en a un qui fait une game avec un clavier à la con comme celui-là, qui fait un top 1, qui m'envoie la vidéo, je fais une vidéo réaction dessus. Je jure. Oh putain. Je fais une vidéo réaction direct. Bon, écoutez, que dire de mieux? Vraiment, c'est un clavier à fuir, hein, de toute urgence. N'achetez pas ça, même si c'est gratuit sur Wish. On va quand même, bien entendu, l'honorer avec un coup de sifflet. Voilà, c'est honoré, c'est plié, c'est dans la boîte. C'est un beau clavier flexible que vous pouvez emmener partout avec vous dans votre poche. Après, il y a beaucoup d'avantages à avoir un clavier comme celui-ci. Je ne dis pas qu'il n'y a que des désavantages. Par exemple, vous pliez en deux pour l'été, ça vous fait un éventail. C'est plutôt pas mal. Alors, regardez, par exemple, vous partez en vacances l'été, et ben voilà, ça vous fait une longue vue. Ah putain, je me fais rire tout seul avec mes conneries. Regardez, par exemple, vous partez en vacances l'été, et ben hop, ça vous fait une longue vue. Vous en achetez deux, vous avez une paire de jumelles. Alors, qui c'est qui a pensé ça? On remercie qui? Merci Wish. Je vous donne encore une circonstance qui peut arriver avec ce clavier. Vous êtes chez vous, tranquille, sur votre bureau. Votre bureau, il est poussiéreux. Mince alors. Vous avez rien pour le dépoussiérer. Vous prenez votre clavier de chez Wish. Voilà, mon vieux. Tu fais la poussière, comme ça. Alors. Et ça passe, et ça dépoussière vachement bien. Je peux vous dire que ça attrape les poussières, mon vieux, mieux que Swiffer. Éventuellement avec la matière pour décaper les toilettes, la douche, les éviers, si vous avez un balai brosse pour passer la serpillière. Bref, on pourrait y trouver vraiment beaucoup d'avantages. En revanche, pour le brancher sur l'ordinateur, c'est de la merde. Vraiment, non, ne le prenez pas. Éventuellement, vous n'avez plus d'éponge pour faire la vaisselle, ça peut arriver. Et alors, il vous reste plus que votre clavier de chez Wish. Et ben, ce que vous faites, c'est que vous le pliez en deux, comme ça. Vous le repliez en deux, je vous donne une petite astuce. Vous mettez un peu de produit vaisselle comme ça et vous frottez, mon vieux. Et à mon avis, ça doit décaper. Ça doit décaper du Wish. Bon, les gens, on va arrêter de vanter les mérites de ce clavier. Voilà, vous voyez qu'il y a plein d'avantages à avoir un clavier comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez qu'on teste d'autres trucs, what the fuck, comme ce clavier par exemple, vous mettez un petit like sous la vidéo, vous me le dites en commentaire. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et bien entendu, n'oubliez pas le petit AG2A. Qui est dans la description pour acheter vos jeux moins chers. Allez, bye bye tout le monde. Ciao. Ça peut également faire portefeuille l'été quand t'es sur la plage. Tu veux acheter tes petits beignets et tout. C'est sympa, quoi.